fidèle adepte et ami de notre émission hebdomadaire Les Mélangassants, consacrée à l'actualité et la société. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons traiter un sujet d'actualité sur les recherches et l'aventure, car cette semaine, on célèbre à Puerto de la Cruz le Festival international de littérature, de voyages et d'aventure périplo, qui accueillera des écrivains et des aventuriers venus des quatre coins du monde. Et comme il ne peut entrer autrement, notre émission nous permettra de parler avec nos correspondants dans l'île Canarie, qui nous présenteront les sujets comme la culture, le tourisme et l'aventure dans les îles Canaries. Guide de voyage idéal pour ceux qui ont pensé à visiter ces îles fortunées dans l'océan Atlantique. Avant d'entrer en contact avec nos correspondants sur l'île de Tenerife, évidemment, et qu'ils sont ravis avec leur reportage, je voudrais donner la parole à mon collègue César. César, s'il te plaît. Bon, je vais faire une petite introduction sur l'histoire des Canaries. Pour savoir quand est la première présence de voyageurs dans les îles Canaries, il faut remonter au 5e siècle après Jésus-Christ. Bien que sur l'île de Lanzarote, on a trouvé quelques restes du 10e siècle avant Jésus-Christ. L'être humain qui habitait aux îles Canaries jusqu'au 15e siècle avant Jésus-Christ s'appelle le Guanche. Les seules images qu'on a de lui sont des images d'hommes et de femmes très fortes, grandes, sans vêtements, on peut voir. Et maintenant, c'est un style vintage, je pense. Bon, ils sont pour arriver aux îles dans des bateaux très rudimentaires et simples qu'ils baptisaient eux-mêmes avec des troncs de bois. Et comme ils étaient très mauvais navigateurs, ils amenaient les maisons dans les bateaux au cas où. Et ils prenaient aussi beaucoup de nourriture parce qu'ils ne savaient pas combien les voyages allaient durer. Ce sont principalement les vins alisés au pouvoir et ceux qui les menaient ici. Et quand ils sont ensayés de sortir des îles, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas sortir car les vins alisés ne les laissaient pas retourner et il n'avait pas suffisamment de connaissances pour bâtir un bateau et pour naviguer dans les mers. Comme ils n'ont pas pu sortir des îles, ils ont construit des communes afin de pouvoir y vivre. On peut voir là, ici. Il y a des indices de la présence d'autres civilisations au premier siècle avant Jésus-Christ, comme les Phéniciens. Le plus important, c'est les Romains. Ils avaient les meilleurs moyens de transport. Ils pouvaient sortir de la Syrie et pour retourner le pays. Avec la décadence de l'Empire romain, beaucoup de personnes ont été jetées dans les îles canariennes aussi. Du 3e au 15e siècle après Jésus-Christ a eu lieu l'occupation de l'Espagnol dans les îles. Était finalement conquise. Ce seront les voyageurs qui vont faire des îles l'un des lieux les plus visités du monde. À partir du 6e siècle, des habitants de différentes provinces se sont installés dans l'archipel canarien, comme par exemple l'Espagnol,
de l'Italie, de la France, de l'Irlande, etc. Il s'était attiré par les possibilités que les îles offraient, surtout la participation aux circuits commerciaux atlantiques au milieu de l'Amérique, l'Afrique et l'Europe, et l'exploitation des terres de culture. C'est au XIXe siècle que le tourisme a commencé à se développer au Canada, pour des raisons d'abord de santé, les premières raisons, ensuite pour les visiter des îles très jolies, avec les paysages. On peut voir quelques photos, on peut voir les raisons ici, et finalement pour les divertissements surtout. C'est pour cette dernière raison que le tourisme vient ici. C'est tout. Carole, on peut commencer? Merci César. On peut voir que tu as beaucoup travaillé dans ce thème historique qui nous fait remonter au premier siècle, avant Jésus-Christ, et fini au Xe siècle. C'est très très longtemps. Oui, c'est très longtemps. Merci beaucoup César. Merci. Et maintenant, pour commencer sans des préambules, je présente Milagros qui va parler de l'origine du tourisme aux îles Canaries et sur les voyageurs étrangers aux îles Canaries. Milagros, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous ne devons pas oublier les voyageurs anglais du 19e siècle comme Elizabeth Murray et son ami Alfred Easton, qui tous les deux sont tombés amoureux de Tenerife. Elizabeth Murray a été autant engagée avec les problèmes de la société canarienne, surtout de Tenerife, tels que les feux de la charge politique était héréditaire et appartient toujours aux mêmes familles, qu'il y avait beaucoup d'inégalités parmi les classes sociales, c'est-à-dire entre les plus riches et les plus pauvres. Elle est arrivée même à dire que la société canarienne de l'époque était resserrée et déclochée. Et tout ça a fait que la presse et les autres classes sociales les refusent, et peut-être c'est pour ça que son mari a sollicité une autre destination comme consul du Royaume-Uni à notre pays. Et en fait, le couple est parti aux États-Unis le 3 mars 1860. Quant à l'autre ami anglais, Alfred Easton, est née à Lovestock et morte ici à Puerto de la Cruz en 1871. Il est venu comme un actionnaire d'une compagnie commerciale. Il est tombé amoureux de Tenerife dès qu'il est arrivé. Et c'est pour ça que le professeur de l'Université de la Lagune, Manuel de Paz Sánchez, a écrit un livre où on décrit la vie de cet homme qu'il considère un homme attrapé dans son jardin, qui est le titre de l'œuvre du professeur de l'université. Il est devenu, Alfred Easton, comme Elizabeth Murray, membre d'honneur de la Real Académie des Belles Artes de San Miguel Arcángel, le 24 octobre 1851. Grâce à l'œuvre Costume of the Canary Islands, nous avons les témoignages des vêtements de Jean de l'Isle et de quelques traits de sa physionomie. Il a fait beaucoup de dessins pour y représenter la réalité de l'île, dont la majorité ont été offerts à Sabino Bertello et Philippe Barker pour leur œuvre Histoire naturelle des îles Canaries. Bon, Milagros, merci. Mais à ton avis, quel est le voyageur le plus important qui nous a visité au XVIIIe siècle? Malgré tout ce que je viens de dire,
On considère l'Allemand Alexander von Humboldt, Berlin 1769, Berlin 1859, comme l'un des plus importants voyageurs aux Canaries. Son importance a dû être telle que son voyage a été soutenu et payé par les illustrés canariens qui habitent à Madrid au XVIIIe siècle. Parce qu'il allait venir dans un autre voyage, mais ce voyage a eu un échec. Cet aristocrate allemand était géographe, astronome, humaniste, naturaliste, explorateur. Il est venu avec son ami Aimé Bonpland aux Canaries en 1799. Ils ont fait une escale à La Gracieuse et après ils sont venus à Tenerife pour étudier la botanique, la géographie humaine, la minéralogie et la météorologie au TD, dont les résultats ont été écrits en français dans le livre Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en différentes années entre 1799 et 1804. En plus, dans son journal intime, il rend compte que lui et son ami sont restés à Tenerife pendant 6 jours, entre le 19 et 25 juin 1799, qu'ils sont visités Santa Cruz, Puerto de la Cruz, exactement à Sitio Litre, et le pic du Tédé. Dans ce dernier lieu, ils ont étudié l'heure, la violette du Tédé, les volcanismes, mais qu'ils ont fait aussi des études de géographie végétale de la population aborigène et de la société canarienne de la fin du XVIIIe siècle. À mon avis, le commencement du tourisme au Puerto de la Cruz a eu son origine grâce à ces écrits qui, sur notre île, ont fait des auteurs de la catégorie de ces trois figures que je viens de vous présenter. Merci et à bientôt. Merci Milagros, merci beaucoup. Bon Natalia, maintenant on va parler avec Natalia sur le TID et on va faire une présentation, on va voir qu'elle fait. Salut les amis de Mélangazine, salut Carole, salut César dans les studios. Salut. Finalement, nous sommes arrivés au sommet du pic le plus haut de l'Espagne, le volcan Tud, avec 3718 mètres d'altitude. Tout le chemin a été une expérience magnifique. Laissez-moi vous raconter. On peut gravir le pic suivant de différentes routes. On est parti de la super vallée de l'Orotava. Une fois on est arrivé à la couronne forestière, la route est devenue un tunnel vers l'élan, compensé principalement par le pin canarien, une espèce autochtone de l'île capable de renaître une fois qu'elle a été dévastée par le feu. On n'a pas pu résister la tentation de nous arrêter pour admirer les spectacles étonnants de la mer des nuages. Les nuages sont portés par le vent alicieux et une certaine contre cette barrière gigantesque et forment une étoile sur l'Orotava que le villageois appelle Pansa du Bourreau. À partir de là, le soleil nous accompagne tout le temps. Au pied du volcan, on a pris le téléphérique pour arriver à la Rambleta. J'ai proposé à l'équipe de monter en marchant par les ceintures qui arrivent jusque-là, mais il a refusé catégoriquement, je ne sais pourquoi. Mais le parcours final pour couronner le sommet et voir les cratères doit être monté à pied. C'est un chemin avec des échelons bien préparés et conservés, mais la difficulté c'est haut. Il est très important de prendre en compte
qu'on a besoin d'une permission pour y accéder. Elle est gratuite, très facile de retenir sur Internet, mais vous devez la solliciter au préalable parce que la demande est très forte. Comme vous pouvez voir, le cratère est plus ou moins petit. Une curiosité, le nom Terre, ce n'est qu'une transformation du mot Wash, échelle, qui signifie enfer. Ici, il y a une forte odeur d'enfer. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont les fumaroles. Il s'agit d'un phénomène simple. L'eau de la pluie entre dans la terre, elle s'échauffe, et sort comme vapeur, entraînant le soufre. C'est bien, Natalia, on peut voir qu'il fait très froid, et là, là. Oui. À part de l'hôtel, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Bien sûr. Et nous sommes dans un parc national où l'été est placé au milieu d'un amphithéâtre délimité par le mur d'un volcan plus grand et plus âgé que l'été. Ce n'est pas une expérience seulement pour les jeunes ou les sportifs. On peut venir avec toute la famille. Il y a plusieurs des sentiers et des paysages divers et magnifiques. On peut voir le lessivage de différentes époques, la pierre ponce noire, rouge et blanche, et aussi, blanche selon la constitution et l'âge aussi. Renseignez-vous bien. Je vous laisse quelques infos pour faire de votre visite une journée mémorable. De vêtements chauds dans toutes les saisons de l'année. Des chaussures appropriées, quelque chose pour grignoter, 1,5 litre d'eau pour chaque personne, de la crème solaire, la batterie du portable pleine, une carte pour bien s'orienter et le désir de profiter de l'expérience. À bientôt mes amis de Pic Tech Natalia pour Melangazine. Bon Natalia, très intéressant. Et merci Natalia. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alors, au revoir. Bien, mais c'est ça. Je crois que nos amis et moi-même, nous voulons savoir quelque chose de plus sur l'architecture canarienne et son influence européenne. On va donc connecter avec notre amie Laura de la ville de La Rotava, qui va nous informer sur le Liceo Tahoro et sa construction et son histoire. On va parler avec Laura. Bon. Salut, je suis devant le Liceo Tahoro, une société qui a été créée en 1855 sous le nom de Falansterio de Tahoro. Ce statut promeut une réunion dans un lieu où on puisse communiquer ses idées, ses réflexions, et apprendre à lire des journaux et des ouvrages, et s'extraire de toutes sortes. La récréation licite et honnête. En même temps, le but était que les ouvriers et les artisans y assistaient, en soulignant le travail acharné, l'honnêteté, les bonnes réputations et la moralité bien connue. Merci beaucoup, Laura. Mais quelle est la vraie histoire du Falansterio de Tahoro? C'est un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Bon. Et au début du XXe siècle, elle était appelée à collaborer à tous les événements importants de La Rotava, en particulier aux fêtes de San Isidro et au tapis des fleurs. Pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, la société a évolué et elle était vraiment importante. En 1924, les statuts ont été modifiés et le nom Liceo Tahoro a été adopté, avec lequel il est arrivé à nos jours, à cet stade et jusqu'à aujourd'hui. La société promet toutes sortes d'activités culturelles, sportives, de loisirs, et les figures les plus pertinentes de la littérature, de l'art, de la culture passent par cette société. Parmi ceux-ci, citons les prix Nobel de la littérature,
Camilo José, José Cela et Miguel Ángel Asturias, les prix Cervantes de la littérature, la poétesse cubaine Dulce María Loynaz, recteur et des professeurs d'université, scientifiques de l'IAC, architectes, musiciens, en politique, militaires, athlètes, etc., etc. Une foule de personnalités qu'il sera impossible de citer. Bon, en 1936, la société a organisé la Romería de San Isidro et la première grande romerie. Ce sont des contributions qu'elle a apportées à son peuple. Et actuellement, comme on peut voir, etc., elle dispose d'un chœur polyphonique et d'un groupe folklorique et encourage le sport. Bon, pour conclure, le Cabildo de Tenerife lui a décerné la médaille d'or de l'île de Tenerife. Le conseil municipal de la Orotava lui a décerné la médaille d'or de la Villa de la Orotava. Alors, je vous invite à la visiter et c'est un lieu historique très intéressant. Merci, merci beaucoup Laura. Merci Laura. Au revoir. Bon, nous avons Conchi à la Puerto de la Cruz pour parler sur les meilleures architectures de Puerto de la Cruz. C'est très intéressant. Oui, oui. Conchi, tu pouvez parler. Bonjour, tous les fidèles de Melangacín. Aujourd'hui, je vais parler sur le lac de Martiane. Le complexe de lac de Martiane comprend un total de 5000 mètres carrés et forme l'un des complexes touristiques les plus admirés de l'île. Depuis sa création, cette œuvre du célèbre artiste César Manrique est une référence esthétique et technique de l'intégration culturelle paysagiste dans le secteur touristique et de loisir. Il s'agit d'un lac artificiel de haut de la mer qui a été formé à façon d'une gigantesque émeraude verte entourée de longs et tranquilles espaces ensoleillés, des plages, des exotiques jardins. Ce lac occupe une surface de 33 000 mètres carrés qui ont été gagnés à la mer. Le lac compte avec un total de 5 îles naturelles, l'un de desquelles, la centrale, s'utilise comme salle de fête souterraine, salle Andromeda. Dans l'actualité, c'est le casino. Tandis que les quatre îles qui restent hébergent un restaurant de luxe et un grill, entre autres installations. Le lieu compte avec des magnifiques vues, un entourage idyllique, une grande diversité de paysages spectaculaires et d'un bon climat idéal toute l'année, ce qui permet que chaque année il soit visité par des centaines de milliers de visiteurs, aussi bien espagnols qu'étrangers. Conchi, mais pour entrer à ce lieu tellement merveilleux, il est très cher. Les prix sont accessibles à toutes les personnes. Il y a et en série de sculptures que César Manrique a incorporé plus tard, comme le monument à la mer, Barlovento et Raïces al viento. Le lac de Martiane a été inauguré le 30 avril de 1977 et il a été déclaré bien d'intérêt culturel en 1985. Si vous voulez vivre une expérience unique, je vous recommande d'y faire une visite avec la famille, les amis ou simplement seul. C'est une opportunité
à ne pas rater. Au revoir, à la prochaine. Bon, bon, Conchi, très bien. Merci beaucoup, Conchi. Merci, Conchi, à bientôt. Bientôt. Alors, remontons donc à l'architecture de l'île, et en particulier de la vallée de la Rotava, et du point de vue historique, notre correspondant Tamara va parler un peu de l'histoire du centre urbain de ces villages du nord de Tenerife. Bonjour Carolina, c'est ça. Et je suis située dans le centre historique de la ville de la Rotava. Et ça c'est chez téléspectateurs que le centre historique a été déclaré dans sa totalité monument d'intérêt historique et artistique par le gouvernement espagnol. Vous découvrirez des beaux édifices civils ou religieux. On verra de belles façades ornées de balcons richement sculptés. L'un des édifices indispensables est l'église de la Conception. C'est le meilleur site du baroque au Canaille. Son élément le plus caractéristique est la coupole, et dont le dessin est inspiré dans les coupoles et de la cathédrale de Florence en Italie. Le temple est depuis de 18 juin 1948. Monument historique artistique national. Un autre édifice caractéristique du centre historique est la mairie. L'édifice dont la construction a fini en 1895 est d'un style néoclassique. Il précise la place de la mairie, anciennement la place dénominée Alphonse XIII. Depuis la Rotava, je vous invite à vous promener dans les incroyables rues pavées pleines de belles maisons typiques canariennes. Une maison de visite indispensable est la maison de balcon ou la maison Fonseca, caractéristique par ses balcons et les coins intérieurs en bois taillé. Elle a été construite en 1715. En face de la maison de balcon, nous trouvons les maisons de touristes. Elle accueillait les exquisites et élégantes broderies, les vêtements traditionnels typiques de ces îles Canaries et les esquisses objets de bois élaborés dans les mêmes maisons par des artisans locaux. On peut aussi trouver là-bas les meilleurs de l'artisanat et les produits agroalimentaires typiques de l'île Canaries. Près de ces de maison, le musée des tapisseurs fait partie des défis que vous ne pouvez pas rater si vous nous visitez. Alors, venez nous voir. Au revoir. Au revoir. C'est génial, c'est génial. Alors, Tamara, qu'est-ce que nous pouvons trouver dans les musées du tapisseur? Bon, le musée du tapisseur est situé près de la maison du balcon. Il permet aux visiteurs de découvrir les tapis traditionnels des fleurs et les âmes de terre qu'on réalise chaque année à la Rotava durant la fête du Corpus Christi. Et grâce à ce musée, il est possible de découvrir en première personne les secrets de cet art fin et le procès de dessin et l'élaboration des dix tapis. Oh, très intéressant, oui. Oui. Merci Tamara, merci bien, merci. Merci Tamara. Bon, mes amis, avec l'information de notre amie Tamara, on va finir l'émission d'aujourd'hui. César et moi, nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous finissons avec une citation sur les voyages qui nous ont invités à la réflexion, n'est-ce oui. pas? Oui, oui, oui. Alors, la réflexion c'est « rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre ». C'est vivre. Très, très, très belle. Oui, très intéressant aussi. Oui. Mes amis, à la semaine prochaine avec plus de nouvelles. À bientôt. À bientôt.
Bon voyage. Les pirates, non. Les pirates dans la civilisation. Eso está mal. Él se inventó un montón de cosas porque yo vi un rato intentando seguirlo y no puedo. La pobre niña debe. Oh, mes amigos. Me amé. Sí, pues, papá. Oh, mes amigos. Salut, c'est Val, je veux parler de l'histoire du tourisme à Puerto de la Cruz. Thank you.